Digi Club podcast. Bien-hait Tupnet, Very Internet People. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Aslema si Mohamed Hamdi, donc vous êtes notre premier invité dans cet épisode de Digi Club. Donc euh, pour vous présenter, vous êtes euh, professeur de cybersécurité à la Subcom. Kintarkinachaya ala voilà. le parcours en donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à Subcom en 2000. Barre donc aidé dans l'équipe euh, qui a fondé l'agence nationale de certification électronique liée jusqu'à aujourd'hui c'est la route PKI et euh, c'était un projet donc très challengeant où donc ça nous ça m'a permis donc de, de capitaliser une expérience dans des thèmes qui m'a la cryptologie la confiance numérique la cybersécurité donc c'était une bonne euh, une, une excellente introduction en fait, dans cette thématique là en parallèle en parallèle je travaille sur mon projet de thèse de doctorat euh, donc j'ai obtenu en 2005 bah, donc j'ai rejoint SUBCOM euh, en tant qu'enseignant chercheur, donc jusqu'à aujourd'hui je donc j'occupe le poste d'enseignant chercheur, avec quelques parenthèses, donc maintenant petit Norvège le Norwegian Computing Center en tant qu'expert en cybersécurité, donc j'ai travaillé sur les modèles de gestion des risques pour le IoT. donc ça c'était en 2012-2015. What euh, donc les aussi donc j'ai euh, piloté le développement euh, de stratégie nationale de cybersécurité pour plusieurs pays dans des projets Banque mondiale, ITO, euh, BAD, euh, KipKip. Donc, ça a permis euh, Layana aussi, donc à l'équipe qui m'a assisté le, dans dans cette élaboration là, de capitaliser une expérience qui est très importante ou dernièrement, donc depuis 5 euh, ans, j'ai fondé le centre de recherche et innovation de Smart Tunisian Technopark, celui de Technopol Razela, où l'objectif est de travailler sur des startups de la Deep Tech. Bien sûr, quelques-unes euh, m'ont mm fait -hmm. thématique de prédilection en Thaï liée à la cybersécurité, mais on travaille aussi sur l'IA, sur la blockchain, euh, sur les NFT plus, plus récemment. Euh, donc, c'est plus ou moins un des parcours en taille. Euh, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez été sollicité pour euh, le projet de la stratégie nationale sur la cybersécurité ou pas du tout Non. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion éventuellement de de, de de regarder un peu ce qu'ils ont fait Discuté sur... en offline avec les key stakeholders, mais officiellement je n'étais pas donc je n'étais pas je, je n'ai pas fait partie de l'équipe euh, donc à travers D'accord. Cyber... Est-ce qu'on peut être optimiste, Marnea, sur ce qu'ils ont fait oui, certainement. Donc mais euh mais voilà, alors, on va parler, donc, après de, de classement de la Tunisie, de, de, de tout ça. Mais, euh, donc, c'est un bon départ, mais beaucoup reste à faire. Donc, ça se Très bien. Alors, avant de, de, rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais qu'on revienne justement sur une petite définition de la cybersécurité. Un épisode, donc, euh, à Rafnefi cybersécurité avec Sikheli mais, je voudrais qu'on s'étale, en fait, davantage sur la différence entre. La cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information. Hum. En fait, donc, il y a beaucoup de confusion entre ces deux, ces deux termes. Euh, donc, la sécurité des systèmes d'information, elle se focalise sur la préservation de trois propriétés essentielles, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, ça, c'est défini dans un standard américain. Donc, c'est les CARF les années 90, mais qui est adopté jusqu'à aujourd'hui. FISMA. Donc, ce standard-là, il définit ces trois propriétés-là. Donc, l'enjeu de la, euh, sécurité des systèmes d'information, c'est au sein d'un périmètre qui est défini. D'ailleurs, donc, les équipes qui font la gestion des risques, Mathalan, au sens de, de la sécurité des systèmes d'information, Mathalan, au sens de la norme ISO 27125, ou bien du NIST Risk Management Framework, ils commencent toujours elle, elle commence ces équipes là par la définition du périmètre de la mission. Mmh. Ensuite, donc il y a tout un travail à faire pour inventorier les ressources, étudier les vulnérabilités et les menaces, étudier les risques pour que à la fin on choisisse les contre-mesures qui permettent la préservation de ces trois propriétés. Donc mmh. on gère toujours la valorisation des ressources, des actifs numériques bien sûr digitaux de l'entreprise par rapport à ces trois dimensions là confidentialité, intégrité et disponibilité. Euh, par contre, pour la cybersécurité, l'objectif est de se prémunir contre les cyberattaques d'une manière générale. Donc, on parle de cybercrime, de cyberfraude, oui. de cyberlaw. Donc, c'est ça les termes. Les, donc, les termes critiques. Donc, il y a euh, deux, de, de, en fait, euh, un, un amalgame par rapport à, au, au terme lui-même. Donc, le terme de sécurité de l'information, il englobe la cybersécurité. D'accord. Au sens euh, du terme, mais par rapport au scope, par rapport au périmètre, le périmètre opérationnel de la cybersécurité, il est beaucoup plus large. Parce que c'est un périmètre qui ne cesse de proliférer, donc d'avoir une expansion vraiment très importante, justement à cause de la, cro de la croissance des euh, moyens physiques de connectivité, euh, des données aussi donc, qui sont en train de proliférer. Donc le périmètre du cyberespace, il est vraiment de, de, en, en train d'explorer, alors que le périmètre des systèmes d'information, bien sûr, il est toujours institutionnel, tout simplement parce qu'on a un ancrage institutionnel. Donc, on dit le système d'information de telle banque, de telle institution. Par contre, on ne peut pas parler de ça au sens de, de, de cyberespace. Et donc, d'ailleurs, dans les conventions, par exemple, de Malabo, les conventions mm -hmm. du Budapest, qui sont des modèles pour la gestion de la de la cybersécurité au sein d'un cyberespace. Euh, donc, on ne parle pas de confidentialité, intégrité, disponibilité. On parle plutôt, par exemple, de fraude de l'information, de vol d'information, ou bien d'utilisation illicite d'identité. Donc, les informations, les, ça veut dire les menaces, elles ont plutôt une connotation juridique. Et on parle de chef d'inculpation, en choix D'accord, <laughs> très bien. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre ces deux. Notion. Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur une nouveauté de la SUBCOM. Il n'y a pas longtemps, l'école a lancé euh, un, un master en fait, de cybersécurité opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Vous aviez la première promotion, chargée euh, déjà, oui, c'est oui, ça Oui. Euh, donc, ce master-là, en fait, l'objectif euh, primordial est de euh, développer le renforcement des capacités dans ce pilier-là de la cybersécurité. Parce mmh. qu'il y a trois piliers, au fait, dans la cybersécurité. Il y a le pilier stratégique, il y a le pilier tactique et le pilier opérationnel. Donc, il faut avoir vraiment ces trois domaines de compétences pour qu'on puisse se prémunir, comme on a dit, au plus contre les cyberattaques. Et quelle est donc, la différence entre les trois, Saint-Marni euh, Donc, le volet stratégique, c'est plutôt la rédaction des stratégies, des politiques et des plans d'action. D'accord. Donc, ça, c'est le volet où on voit vraiment la dimension. Euh, multi stakeholder multi parties prenantes de la cybersécurité et c'est ça donc c'est une approche qui a euh, vu donc le jour il y a quelques années donc il y a cinq six ans et qui est en train d'être donc d'avoir une dimension internationale mm -hmm. parce que la cybersécurité c'est l'affaire de tout, toutes les parties prenantes Absolument. Euh, donc les développeurs par exemple donc les, à dire les boîtes de développement euh, aussi donc les constructeurs vendors euh, donc il y a aussi les organismes d'accréditation les, les, les organismes de standardisation tous doivent travailler dans un même objectif. Et euh, c'est pour ça qu'on parle de multi-stakeholder approach. Mm -hmm. Donc la standardisation, euh, aussi bien que l'infrastructure, doivent être sécurisées en utilisant un même référentiel. Et c'est ça l'enjeu euh, majeur. Et là, on traite de stratégie où toutes ces parties prenantes sont impliquées. D'accord. Euh, donc le volet tactique, c'est le volet, par exemple, on, on va parler de choix. Par exemple, le volet d'un référentiel général de cybersécurité, mmh. d'un référentiel général d'interopérabilité. Là, c'est des volets tactiques, parce qu'il y a des choix à faire qui viennent à une, une fois que les choix stratégiques et les choix en matière de politique sont faits. Et en dernier lieu, on a besoin du volet opérationnel. Et là, généralement, c'est fait institution par institution, secteur par secteur. Donc, on voit la dimension sectorielle de la, de la cybersécurité. Et on voit... La symbiose entre les, entre, les, entre les parties prenantes, donc entre les multi-stakeholders, qui ont euh, permis à la stratégie, par exemple nationale de cybersécurité, de prendre, euh, de prendre forme. Donc très. la dimension opérationnelle, elle est, elle est très importante et c'est de par la nature de SUBCOM, comme étant une école euh, qui forme euh, donc un potentiel technique très, très pointu. Euh, donc c'est l'organisme, euh, c'est l'institution universitaire la plus appropriée. Pour héberger ce type de formation. Euh, bien sûr, donc ce for cette formation aussi, elle est co-construite mm -hmm. avec l'Agence nationale de sécurité informatique, avec la, donc le sponsoring de Huawei. Où, donc, on va parler euh, de euh, euh, cette approche-là. Donc, c'est un exemple en soi-même d'une approche multi-stakeholder pour renforcer les capacités et aussi donc le, même la population qui, euh, qui, qui a suivi la première promotion et qui est en train aussi donc pour la deuxième promotion, la promotion ou bien la population, elle est hétérogène. Donc, vous allez trouver des employés, déjà, donc, de, de structures publiques, des employés de structures privées, et aussi des jeunes diplômés qui sont dans une même classe et qui sont en train de suivre le même cursus. Et puisqu'ils suivent par, parfois, donc, une approche par projet, donc, il y a une certaine richesse, il y, y a un certain crossover mm -hmm. entre ces, les, les éléments de cette population. Pour qu'il y ait un apprentissage vraiment euh, très, très euh, développé par rapport aux nouveautés en matière de cybersécurité. Très bien. Et vous me dites là que c'est sponsorisé par Huawei. Qu'est-ce que vous en au juste Parce qu'il y a un laboratoire de cybersécurité donc qui a été mis à disposition de Subcom par Huawei, pas uniquement pour ce master, mais donc ce master est un use case pour montrer le potentiel qui peut... Émerger de d'un tel laboratoire. Très bien, merci beaucoup, Simon Hamad. Ahna, on revient après la pause pour parler donc des risques cybernétiques fittons. Digi Club Podcast. Very high Topnet, very internet people. How are we? au service de la Tunisie depuis 1999. Nous revenons avec vous Fidigi Club Mohamed Hamdi, professeur de cybersécurité chez Subcom. Marhaba encore une fois si Mohamed. Donc avant euh, la petite pause et l'ordinée on vous a, on a présent, on a parlé un peu de votre parcours, on a euh, expliqué un peu ce que c'est que la différence entre la cybersécurité et la sécurité des euh, systèmes d'information et on a aussi présenté un peu le master euh, cybersécurité sécurité Operative et les subcoms l'a lancé il n'y a, um, a pas très longtemps. Donc euh, là maintenant, en fait, je voudrais qu'on évoque un peu les risques cybernétiques ou, ou la situation phytons par rapport à ça. Mais avant euh, de s'étaler sur la question, je voudrais comprendre ce que c'est que la différence entre um, un backdoor et un backdoor, ça fait un peu bizarre, mais un backdoor, on va dire, et une faille. Est-ce qu'il y a une différence entre ces, ces deux notions au fait, donc on parle de backdoor ou bien de trapdoor. Mm -hmm. C'est une catégorie des malwares, des logiciels malveillants. Généralement, euh, sur le plan didactique, il y a trois, trois sous-catégories oui. qui sont des virus, euh, les chevaux de Troie, oui. les backdoors, et les, les verts, les worms. Mm -hmm. euh, donc ces trois catégories-là, elles ne diffèrent pas en termes de payload, ça veut dire en termes de résultats. Elles diffèrent plutôt en, en termes de mode de propagation. Donc le virus, il se propage dans des programmes. Donc généralement c'est associé à un programme et c'est le vecteur de propagation pour les vers. Le, le euh, vecteur de propagation c'est des protocoles sur un réseau. Est-ce Est qu'on qu a des de... exemples à citer de, de vers connus à ou Oui bien sûr. Donc la plupart des lance aujourd'hui ils se repassent à travers des vers. D'accord. Euh, il y a aussi donc cette catégorie spécifique qui s'appelle backdoor ou bien trapdoor. Ça c'est des programmes qui sont développés et qui comportent euh, euh, une, une sous composante. Qui a un comportement inattendu, donc généralement c'est pour ouvrir des brèches euh, qui ne sont pas visibles pour celui qui exploite le programme. Mm -hmm. Donc généralement, ça on le met euh, sur euh, donc ça dépend sur un serveur ou bien sur un client. Donc on peut on peut le faire sur les deux. Dans l'objectif, donc d'ouvrir des brèches et ensuite d'escalader cette brèche là, parce que généralement, donc on n'a pas de haut privilèges à travers un, un pacteur. donc on a les mêmes privilèges d'exécution du programme et généralement donc on trouve très rarement des programmes qui s'exécutent avec de hauts privilèges et ensuite donc c'est juste donc la première porte d'entrée pour les failles les failles plutôt elles découlent de euh, du cycle de programmation ou bien du cycle de développement de l'outil ou bien de l'application ou bien de la solution ou bien même de composantes matérielles aujourd'hui mm -hmm. parce que ça aussi donc il y a plus de plus en plus de composantes matérielles qui deviennent connectées dans les véhicules dans les SCADA, euh, dans les centrales énergétiques et là aussi, c'est du développement. Donc, les équipes de développement, euh, aux différents stades de développement, bien sûr, vu euh, les contraintes de délai et les contraintes de taille de ces programmes-là qu'elles sont en train de développer, euh, elles ont de plus en plus de probabilités de commettre des erreurs. Donc, Rali ou Biben Mahlou, là, c'est ça Non, ce n'est pas volontairement. Donc, les, oui, les, oui, voilà. j'ai compris. Je sais que ce n'est pas volontaire, mais c'est des erreurs en oui, donc ça Oui, voilà. Donc, des erreurs. Et il y a des équipes. Qui travaillent donc généralement on, a, on, 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 a, on appelle ça le reverse engineering. Donc il y a des équipes qui travaillent sur le euh, diagnostic ou bien sur le fait de détecter de telles failles. Et là donc on les appelle des data breaches. Mm -hmm. euh, donc le, le backdoor c'est quelque chose qui est développé pour justement euh, pour, pour faire des, euh, donc des attaques pour laisser une porte dérobée pour pouvoir l'utiliser par la suite. Euh, donc, tant que le backdoor n'est pas euh, n'est pas trouvé ou bien tant qu'il n'est pas découvert, donc ça reste une faille. Euh, donc ça reste plutôt donc cette euh, porte dérobée. La faille, par contre, elle a lieu euh, dans ou bien durant le cycle de développement mm -hmm. d'un produit de manière générale. C'est pour ça qu'il y a deux communautés. Donc il y a une communauté qui travaille sur le reverse engineering. Même euh, donc il y a des approches de bug bounty ou bien de zero oui. On est même payé lorsqu'on trouve ce type de faille là. Et il y a des catégories au, au niveau de ces failles. Euh, donc le, le but de ces plateformes, donc la plus répandue maintenant, il y a beaucoup euh, de Tunisiens qui travaillent en communauté pour, le, pour la détection des failles parce qu'ils sont payés lorsqu'ils trouvent euh, mm -hmm. des failles. Donc Zerodium, par exemple, ils trouvent... C'est comme un barème... Et, Comment ça s'appelle, ça marche Zerodium, par rapport à Zerodé. Euh, donc le, le Zerodium, ils ont un barème pour ces failles-là et euh, donc lorsqu'on trouve une certaine catégorie de faille, mmh. on peut même être payé 2 millions de dollars. Donc cette catégorie, elle, elle, elle doit avoir deux propriétés au fait, elle doit être zero day. Donc zero day ça veut dire que on n'a pas encore de patch pour cette faille là mmh. à l'instant T. Et euh, au fait donc ce temps-là, en moyenne, il est en train de vraiment donc de, de croître à une vitesse inouïe d'année en année. Donc maintenant euh, donc le, le, le en 2021, il y a eu des failles qui sont restées 265 jours en mode zero day. Ça veut dire tant qu'on trouve des, des patchs. D'accord. Euh, et elles doivent être aussi zero click. Donc, si on trouve des, des failles dans certains systèmes, qui ont ces deux propriétés. Zero click, ça veut, ça veut dire que pour être infecté, on n'est pas obligé de cliquer sur un lien, sur une photo, ainsi de suite. Ça veut dire, par exemple, on a un aperçu d'un message sur WhatsApp, d'un message SMS. Oui. Lorsque, juste en voyant le, 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 cet, cet aperçu-là, le téléphone, il est infecté. Ça, c'est un exemple, ah. zero click. Donc, pour certains systèmes, comme Android, par exemple, comme iOS, comme Windows, euh, comme Firefox, c'est ce type de faille-là, lorsqu'on on, on, on compile ces deux propriétés, Zero Day et Zero Click, qu'on peut être payé entre 1,5 et 2 millions de, de dollars. Ça, c'est une sorte de bug bounty, donc on appelle ça comme ça. Et le but, là, c'est de, de décortiquer le, le programme. Mm -hmm. Généralement, on fait... Euh, ça veut dire, on, on le fait en black box. Mm -hmm. euh, donc on le, on le désassemble, ça veut dire on, on lui reprend sa forme originale telle qu'il est exécuté au niveau du système d'exploitation. Et on essaie de balayer un petit peu son exécution au niveau de la mémoire pour qu'on puisse dé, dé, déceler ou bien détecter les cases mémoire qui sont vulnérables et ça donc c'est un business qui devient très très porteur donc là c'est la, la recherche de failles euh, bien sûr donc il y a un business black par rapport à ça c'est le fait de de vendre ces failles à des entités illicites mm -hmm. euh, donc, comme les terroristes, ainsi de suite. Donc, ça aussi, donc, ça existe. Mais il y a aussi donc, un business par rapport à ça, par rapport au Bug Bounties, donc, il, y a, il y a plusieurs plateformes. Et euh, donc, les, euh, euh, par exemple, aussi donc, Facebook, IBM, ils ont leur propre plateforme. C'est pour ça que vous voyez plusieurs Tunisiens, Zone, pour la plupart, donc, qui sont à la recherche de ces failles-là et qui sont rémunérés à chaque fois qu'ils euh, qu trouvent des failles. Donc, euh, là, là, on parle de deux, euh, euh, deux cas d'études distincts. Donc, les backdoors qui sont développés pour agir d'une certaine sorte mmh. et les failles qui émanent de certaines brèches et le nombre de failles aussi il est en train d'augmenter donc on parle à peu près de 17 de data breaches en 2021 qui n'existaient pas en, 2000, en 2020 et, et le nombre est à peu près 2000 mmh. euh, 1300 donc c'est euh, donc tel que euh, c'est euh, donc ça a été publié par le internet par le internet threat euh, Center. d'accord parfait et, justement, en parlant de la hausse, en quelque sorte, des, des, des risques cybernétiques, j'ai euh, des chiffres, en fait, les Kharjit euh, Kaspersky en 2020. Ils ont, ils ont des chiffres, en fait, qui concernent le continent africain. Donc, il euh, y, a, y a eu à peu près 28 millions de cyberattaques en Afrique en 2020. Il y a aussi un rapport qui a été publié par, par Deloitte. Euh, sur euh, la hausse justement des risques cybernétiques. Ils ont interrogé en fait des entreprises et 40% des entreprises, euh, pardon, la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de cette, de cette enquête, Kalo, euh, Eli, euh, il y a une hausse de 40% à peu près. Des risques cybernétiques fait, fait le continent africain. Moi, je voudrais savoir quelle est la situation en l'état des lieux Est-ce que si vous auriez éventuellement des chiffres, l'évolution des cyberattaques, comment ça se passe Oui, euh, en fait, donc, qui connaît, donc, la cybersécurité, c'est la sécurité du cyberespace. Euh, donc le cyberespace, c'est tout ce qui est connecté sur un espace bien déterminé. Mmh. Et là, euh, c'est ce qui explique un peu ces deux points de vue, parce que donc, les chiffres que vous venez de citer, donc, ces deux points de vue disent ça. Euh, celui de Deloitte, c'est un survey, on appelle ça. C'est oui. un questionnaire à des entreprises, mm -hmm. euh, qui est plus euh, donc, euh, dans le qualitatif plutôt que dans le quantitatif. Et on a aussi donc, le point de vue de Kaspersky, qui est plutôt la partie opérationnelle. Donc mm -hmm. là, on voit la partie tactique et opérationnelle. Euh, et les risques, au fait, donc, il n'y a pas une très grande, euh, disons, un très grand écart entre ce qui se passe en afrique et ce qui se passe en tunisie parce qu'on qu qu a plusieurs similitudes entre la maturité du cyberespace. donc l'objectif au fait de mettre en place des stratégies des normes des, euh, donc des mesures tactiques et opérationnelles l'objectif c'est d'avoir un, une cybersécurité de plus en plus mature. Mm -hmm. donc l'objectif c'est de grimper un peu sur cette échelle de maturité là. Et euh, donc euh, en, en Tunisie, euh, on est à un stade de maturité similaire donc, au reste du continent, euh, par exemple par rapport au Global Cyber Security Index qui est euh, donc publié par l'Union par Internationale des Télécoms. La Tunisie donc, elle est à la, à la 45e position euh, et là donc on parle d'une un, conformité par rapport à un ensemble de requirements. Mmh. Euh, donc la Tunisie, elle est conforme à, à, à peu près à 80% des requirements qui sont mis en place par le par les Nations Unies, donc sous l'International le, le, Telecommunication Union, euh, et donc la partie au fait euh, où euh, donc il y a le plus de non-conformité dans le cyberespace tunisien, bien sûr, toujours selon ce rapport-là, c'est les mesures or organisationnelles, institutionnelles et politiques. D'accord. Par exemple, par rapport à euh, tout ce qui est l'eau, euh, donc par rapport à tout ce qui est réglementaire, on a un score de 20 sur 20 parce que donc il y a cinq piliers. Et euh, donc chaque pilier, il est noté sur, sur 20. Mm -hmm. Par rapport aux capacités building aussi, donc on a 20. Par rapport aux mesures de coopération, on a un score proche de 20. Donc là où un petit peu donc, le bas blesse, c'est par rapport à, à, à l'aspect organisationnel. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a certains piliers par rapport à, à ce, à ce volet-là qui manquent. Par exemple, donc, le référentiel général de, de sécurité, qui est, qui est très important. Et là, c'est les normes qui doivent être euh, respectées. Par toutes les communautés, aussi bien publiques, privées, associatives, qui sont en train d'opérer et de développer dans, euh, dans le digital. Aussi bien des applications mobiles, des sites web, donc tout ce qui, euh, tout ce qui existe aujourd'hui sur le cyberespace, oui. même le hardware, doit être conforme à certaines normes, à certains standards. Vous voulez dire qu qu'en Tunisie, on n'a pas adopté de référentiel général, c'est ça Oui, donc à l'échelle monolithique. On n'a pas un référentiel général de cybersécurité à l'échelle nationale. Mm -hmm. Mais on a certains îlots. Vous trouvez par exemple certaines institutions qui ont leur stratégie, qui ont leur politique. Mm -hmm. Parfois c'est sectoriel au sein d'un ministère parfois c'est au sein d'une institution, un opérateur, une banque. Donc. Mais il n'y a pas un, un, un référentiel adopté pour tout le cyberespace. D'accord. Et, et, et là, donc, ça, ça risque au fait, de créer des problèmes d'interopérabilité mm -hmm. par rapport au euh, choix des standards. Et par rapport au niveau de sécurité. Parce que généralement, par exemple, l'exemple le, le plus simple, c'est la confiance numérique. Mmh. Dans la confiance numérique, là, on parle de transactions, la sécurité des transactions. Il faut qu'il y ait des, euh, des tunnels, donc des tunnels chiffrés, pour oui. protéger parfois les données privées, parfois les données confidentielles. Et cette protection-là, elle doit être ajustée au niveau de sensibilité, sensitivity level des données qui sont en train d'être véhiculées. Et généralement, entre les deux bouts de communication, un client et un serveur, ou bien peer-to-peer, euh, euh, il se passe une négociation mm -hmm. pour adopter le niveau de sécurité, comme dans le standard TLS par exemple qui est le plus utilisé aujourd'hui. Et cette négociation-là, on adopte le list security level. Par exemple en matière de taille des clés, lorsqu'on a une euh, taille par exemple de 8000... Euh, par rapport donc, à l'un des bouts de communication est de 4096 mmh. par rapport à l'autre. La, donc, c'est le niveau le plus bas qui est, qui est, qui est choisi. Et là, donc ça montre le, la, 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 la criticité de ces choix-là. Des choix qui sont liés à un paramètre qui peut sembler donc anodin, c est, c est, donc cette taille des clés. Parfois, donc, le développeur, il choisit des paramètres par défaut. Quand il n'a pas un standard qui l'impose, ou bien quand mmh. il n'a pas de référentiel qui l'impose, il y a parfois ce décalage qui... Euh, des, euh, plutôt, qui, qui, qui va résulter en des risques qui sont très très importants pour la confiance numérique, ou bien aussi pour, le développe, pour, pour les développeurs. Donc, on a évoqué tout à l'heure les failles de sécurité. Oui. Donc, les failles aussi. Donc, il y a des standards pour respecter. Comment est-ce qu'on développe un programme tout en respectant les guidelines de, de sécurité Donc, il y a toute une pléthore de, de donc de normes, de standards qui doivent être non pas développées, mais plutôt Homogénéiser surtout le cyberespace pour, que, pour garantir que la maturité se développe petit à petit. Très bien. Et sinon, est-ce que vous sauriez éventuellement à quoi c'est dû le fait que ça soit aussi décausé en quelque sorte Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas euh, adopté cette, cette, ce, ce référentiel-là il euh, y, y a eu des tentatives, par exemple. Mm -hmm. euh, être, donc, il y a trois piliers qui sont très importants. Il y a le pilier de référentiel général de, de sécurité, oui. le pilier d'identité digitale. Mm -hmm. Donc aussi là, donc on n'a on a pas vraiment, euh, on n'est on est pas arrivé à concrétiser euh, une plateforme vraiment où on peut parler d'une identité qui peut être exploitée par toutes les parties prenantes. Il y a aussi la loi sur la cybercriminalité. Mm -hmm. Donc ces trois projets-là, il y a eu des tentatives depuis vraiment quelques années. Mais on n'a pas, euh, pour des raisons multiples. Hein. Euh... On n'a pas beaucoup avancé sur, euh, oui, sur oui. ces donc questions. Donc à chaque fois qu'on avance, il y a des événements qui, qui viennent et qui chamboulent un peu, donc le l'avancement de ces projets-là. Très bien. Alors euh, merci beaucoup aussi, Mohamed. on va faire une petite pause et donc Bardusnaj van Arquio à la les les risques justement cybernétiques et les y Isidou ou euh, qui fait il, euh, il y a justement des, des, des entités on va dire ou des, euh, des éléments je dois dire, à qui ont euh, selon certains euh, fait en sorte ou contribuent en fait à la hausse justement des, des risques cybernétiques bon. Digi Club Podcast Dirayet very internet people Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. Jean Amrak enfin Digiclub, Mr Mohamed Hamdi qui est professeur de cybersécurité chez ah, c'est moi encore une fois, c'est Mohamed. Donc, avant la pause, en fait, on a évoqué plusieurs sujets, notamment euh, la différence, mais bien, cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information. Ce que c'est que la différence aussi entre le backdoor ou le euh, On a parlé aussi de la hausse des, des risques cybernétiques et euh, on est revenu justement sur la situation en fitouns euh, à ce niveau-là. Et euh, moi je voudrais en fait revenir sur un petit rapport que le, le Forum économique mondial Kharjou sur euh, sur la cyber la cybersécurité. Donc c'est le rapport Révé et ils ont évoqué euh, l'augmentation justement des des risques cybernétiques avec l'émergence donc des de, de nouvelles technologies qui comme l'intelligence artificielle. Ils ont d'ailleurs parler d'une nouvelle tendance de euh, la cybercriminalité qui s'appelle le ransomware as a service. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tendance Généralement, on parle d'attaque as a service. Les outils d'attaque qui sont plus compliqués à manipuler, n'est-ce pas, l'Abed les attaques. les attaque. L'Yom, cette tendance heavy, elle consiste... À trouver une partie du scénario d'attaque Hadra et qui est élaboré par deux communautés, donc c'est plus, plus, plus ou moins la nouveauté c'est que les hackers ou structurer en communauté ou ça m'a deux plus ou moins deux populations ceux qui développent les outils ou bien a service et ceux qui les perpetrators, donc ceux qui sont à l'origine de l'attaque. Bien, bien sûr, donc l'une des, des répercussions de Taha, c'est qu'elle rend com, plus compliqué tout ce qui est forensics. Quand que mm -hmm. le forensics, il y l'intention, il y a l'améliorat, il y l'équipe de Taha de Gine jusqu'à la source. Donc, mm -hmm. tu segmenté en deux parce que celui qui a développé et celui qui a vendu le service n'est pas celui qui a été le perpétrateur. Donc, ça rend plus compliqué. Donc l'Io avec l'intelligence artificielle, ça rend la distance elle est encore plus importante. Comment ça? La, la, la distance Binet le perpétrateur ou Binet la source de l'outil Istanbul. je ne sais pas si on peut dire grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, euh, on n'est pas en mesure de, de faire le rapprochement. Mais Bin est, il est fait, on va dire l'outil d'attaque et Saïd, il ou Saïd, il a perpétré l'attaque, c'est ça? c'est ça. Il y a beaucoup de oui. causes. La cause est à ce que la, chose, la nouvelle tendance de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, bien, mais il disais, dit que c'est plus concentré sur tout ce qui est learning, machine learning, deep learning. C'est le type de code ou de programme. Il y a un peu de l'immeuble euh, qui est en train Donc, ce n'est pas une liste d'instructions il va les exécuter c'est plutôt qu'il a la capacité d'être context aware, Je ne sais pas si je suis en train de contexte il y a le peu de comportement il y a un contexte qui est en train de se faire. Il y a des contextes différents il y a des contextes de voitures électriques des systèmes euh, SCADA des systèmes. Plutôt, il y une industrie 4.0. Donc, le contexte est un cas à part. Donc, les intelligences artificielles, donc les algorithmes, ils ont la capacité d'être en mesure de perpétrer des attaques sans l'intervention directe. D'accord. Donc, il avait le facteur déclencheur. Oui. Donc, les attaques de déni de service, c'est l'État, c'est Donc, il avait cette euh, obligation d'infecter certaines machines, où les machines Hadouma, elles deviennent le vecteur pour attaquer la cible. Mm -hmm. Ça, c'est pour cacher un peu l'identité de l'attaquant et pour toujours augmenter cette distance. Parce que ça, donc l'objectif, c'est que l'attaquant soit le plus distant de la scène de crime oui. pour qu'il ne soit pas euh, donc, euh, visible et pour euh, garantir la pérennité de l'attaque. Dans okay. le cas de la il y a une tendance qu'on appelle « advanced persistent threat ». Les attaques persistantes Hadouma, une fois que l'attaquant est sur la scène de crime, les mutaouls le mode à de crime au maximum. Euh, elle devient exacerbée par l'intelligence artificielle. Le il n'est plus obligé de déclencher lui-même par un mécanisme ou un autre, même par un programme, de déclencher euh, donc l'exécution de tout ce scénario d'attaque mm -hmm. qu'il a orchestré. Lui hum, donc, c'est un algorithme qui devient capable d'orchestrer tout ça. Euh, donc ça fait le... peur. Oui, bien, sûr, bien sûr. Donc Hedi... Euh, C'est encore donc le, 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 le deuxième vecteur de prolifération de ce type euh, d'attaque, donc attaque à la service, où le, le manque de maturité des plateformes. Il disait au les plateformes digitales ou les On a systèmes mm d'exploitation, -hmm. les des plateformes cloud, ainsi de suite. On a, l a eu, de nouveaux systèmes d'éléments connectés. Donc d'images, on a, a les smartphones, on a a les voitures électriques, on a a tout ce qui est embedded systems, IoT, smart cities, ils sont en train d'être connectés sans qu'il y ait de euh, même de standards appropriés en matière de cybersécurité, mm -hmm. qui vont permettre de tester les équipements Atom, de tester les, les, les logiciels, les protocoles, avant qu'ils ne soient déployés. Et ça les rend plus vulnérables face à ces intelligences artificielles. avec un à des réseaux de caméras, qui deviennent connectés oui. les réseaux de caméras Hadouma le système d'exploitation de il est moins mature en matière de sécurité que un système d'exploitation il est donc un ou des années qui, qui il est, il est en cours d'utilisation et qui a maturé au fur et à mesure de son, de son utilisation quest qui donc l'intelligence artificielle elle a un rôle à jouer, bien sûr, au bénéfice des cyberattaquants. Bah, je l'espère. Les, <laughs> non, non pas les, hmm. pas les cyberattaquants, <laughs> dans l'autre sens, enfin, en termes de cybersécurité, <laughs> plutôt. <rire> <b> <laughs> Justement, donc, il y a des possibilités, le fait d'être le plus distant possible de la scène des crimes. Donc, le ransomware est c'est une sous-catégorie. Le ransomware c'est l'un des outils d'attaque qui tire beaucoup de développement c'est parmi les catégories de malware et le payload il est spécifique mm -hmm. le payload c'est qu'il chiffre une partie des données ou la sécurité des systèmes d'information donc souffle la limite entre cybersécurité et sécurité des systèmes des systèmes d'information Donc, moment, il chiffre une partie de ces données là et on va demander ensuite une rançon donc l'autre fait il y a mais ce نجم les données <تضحك> دونك, <تضحك> دونك لو سيناريو جينيرالمون داتاك نتاع لي وير يتطلب اول حاجه سوشيال انجينيرينغ قبل خاطر دونك مش اي واحد اللي يكون سيبل نتاع رانسوموير لازم اللي باش يعمل اتاك نتاع وير يكون تحقق قبل كو شخص ولا جهه اللي هو عمل عليها الرانسوموير قادره باش تدفع الفديه هذيك دونك ثم قبلها سوشيال انجينيرينغ وهذاك علاش نحكيو هنا على السيناريو كامل نتاع 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 سيبر اتاك باش ينجم في الاخر يوصل للوبجيكتيف نتاعو Donc social engineering ou les étapes de بتاع tout ce qui est preparation il a besoin d'un outil qui va le permettre de concrétiser. Oui. donc les outils qui dhoma confinés dans des communautés restreintes. Et le on les achètent as a service et pour des prix mesquaris kif kif. Donc les attaques ha dhoma n'a comme exemple ils ont la capacité Dévader avec les advanced evasion capabilities, dévader les systèmes de détection, Mais les capacités euh, qui, qui sont munies par l'intelligence artificielle, c'est fraudimen détectable. Donc le fait, d'avoir un comportement polymorphique, dynamique oui. dans le temps, ça s'est rendu possible euh, par l'intelligence artificielle. Donc avec les d'utilisation de l'intelligence artificielle pour garantir soit le contexte, soit la pour pouvoir échapper au maximum mais les systèmes de détection qui ou les combinaisons qui bien ou pour pouvoir aussi cabro fait distance binette le cybercriminel et la scène de crime donc c'est toute une tendance où les hommes pour contrecarrer cette tendance là les hommes l'implication de toutes les parties prenantes le principal vecteur de ta les attaques l'expansion illimitée du cyberespace. Donc, de... Très bien. J'espère qu'on est en train de faire des choses pour inverser la donne, parce bien que sûr, bien sûr. <laughs> parce que la intelligence artificielle pour cyberattaque, ça fait ça fait un peu peur. Alors, il faut dire que de toute façon, c'est pas l'intelligence artificielle n'est pas la seule technologie qui est plus ou moins en ligne de mire, à, à cause de ce qui se passe, euh, euh, à cause de la euh, du fait et les cyberattaquants deviennent de plus en plus sophistiqués à ce niveau. Il y a aussi la 5G. Mm. Donc on a vu qu'il y, y a certaines personnes qui, qui, qui laissent entendre en fait que cette technologie elle va aussi contribuer à euh, faire augmenter en fait les risques cybernétiques. Je voudrais savoir quels sont justement les les défis liés aujourd'hui au déploiement de la 5G à ce niveau. Hmm. Ouais, généralement les risques entrent euh, en deux dimensions, la dimension euh, de fréquence, voilà, combien de fois le risque il a lieu la dimension d'impact. Il déclencheir l'événement avec donc le, le risque ou bien la menace. Il est sinon la perte liée justement de à l'occurrence avec. Donc les risques qu'adouma donc des technologies qui est mal la 5G qui mal la connectivité par satellite. Donc tout ce qui augmente la connectivité, tout ce qui étale ou tout ce qui étend euh, la dimension dans ta cyberespace, oui. il va contribuer normalement la euh, prolifération ou euh, le, le fait que mm -hmm. le augmente donc, mm -hmm. en termes de nombre donc à date des menaces ou l'impact donc oui. c'est tout à fait euh, normal mais ce qui est particulier c'est 5G il est il va permettre d'étaler l'utilisation du spectre il y a quand même 3 3 jusqu'à plus que 100 Giga donc beaucoup utilisable euh, au sein d'un environnement unifié donc, on n'est pas obligé de moduler, démoduler, ainsi de suite. Donc, la même couche physique, elle, euh, elle supporte tous ces types d'applications. Oui. Donc, les, les impacts euh, en, en matière d'use case pour la, pour la 5G, c'est qu'il a plus de capacités, plus de, de bandes passantes, moins de délais. Euh, oui. ça, c'est très important. Pour, pour les, donc, les nouvelles parties prenantes les vont de mises le c'est un degré de maturité... En matière de cybersécurité, pour garantir le, donc la bonne utilisation, ou bien la bonne euh, la bonne euh, intervention, fil, fil le nouveau cyberespace. D'accord. Donc le cyberespace, il est en train de, de s'étaler donc avec un rythme effréné. Mais le, le, la, la maturité des acteurs, les de trolls, soyez elle n'est pas en adéquation avec cette avec cette expansion là. C'est pour ça que justement, quand on va parler de la 5 G en particulier, c'est un écosystème en soi même. C'est un écosystème parce que donc la 5G, on va trouver les vendeurs, on va trouver les opérateurs, on va trouver les fournisseurs de services Internet. Donc tout ça, c'est impliqué dans la 5G. Les utilisateurs, les développeurs, les hackers même, c'est une partie de la communauté. Donc on va parler de tout un écosystème. Lorsqu'on parle des euh, infrastructures plus ou moins classiques, tout ce qui est data center, cloud, donc les plateformes d'hébergement, euh, on a des outils, on a des standards, on a des normes pour permettre euh, à un écosystème d'être mm -hmm. établi conformément à des besoins clairs en matière de cybersécurité. Pour la 5G, ces besoins-là ne sont pas encore clairement définis par rapport à toutes les parties prenantes. D'accord. Surtout qu'on va les implémenter, ça veut dire les use cases typiques. Euh, donc, c'est des smart cities, c'est des smart centers, c'est des smart cars. Euh, et là, justement, donc, qui dit smart dit intelligence artificielle. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, encore une fois, en tant que telle, peut être une, une vulnérabilité quand elle n'est pas bien bien déployée, donc quand elle n'est pas bien c'est bien sécurisée si on, mm -hmm. si on ose dire. Donc le, le, la, la 5G, elle a un potentiel énorme, mais il faut être conscient des risques euh, qui, qui vont émaner de de, de de son déploiement à large échelle, sur le déploiement de 5G. Ou donc les aspects auxquels il faut faire attention le déploiement de la 5G, ou le fait de trouver une euh, certaine euh, pile de standards et les peut les pour pouvoir euh, élaborer tout un écosystème de, de cybersécurité. Très bien. Alors, on va revenir justement, même pas à parler des normes, mais je voudrais savoir justement, je peux il faut que tous les acteurs, est-ce que les opérateurs en même temps sont outillés dans le niveau de maturité. Euh, par rapport à la cybersécurité, ça m'a un paramètre très important, il est ou la résilience, c'est la résilience. Euh le هذا شنو هو? C'est l'imcanité le à تاع cyber attaque, l'imcania de supporter la l'impact de l'attaque هذه. Euh ou, ou هذه. donc elle demande euh, certaines mesures. Qui ne sont pas uniquement l'affaire de l'opérateur télécom ou mmh. là, du constructeur, c'est l'affaire de tout le monde, même l'utilisateur. Donc l'utilisateur avec à donc il faut travailler beaucoup sur le fait que l'utilisateur soit conscient et soit capable de protéger aussi ses données personnelles. C'est un travail Parce de sensibilisation. Un travail de rond. sensibilisation. Sans ce travail-là, on euh, voilà, ne peut pas parler de, de la sécurisation du cyberespace. Donc il y a un niveau de maturité sur lequel on doit travailler. Mmh. C'est pour ça que... Il ne faut pas se focaliser uniquement sur un type d'acteur plutôt que sur, que sur, que sur l'autre et il n'y a pas uniquement que la maturité technique parce que dans un appel dit mais à les outils techniques nécessitent à les applications ou ouh et donc maintenant les contre mesures là d'hyine mais enfin garantit sécurité inter au cyberespace lui maintenant match kifin d'accord lui secrétisme aussi des compétences ou dire mais la nécessité donc il faut vraiment euh, donc développer des compétences pour améliorer la résilience, la euh, sécurité, donc la résilience, les plans de continuité, donc il y a des lacunes, certainement. Il y a des lacunes aussi, l'utilisation même des, euh, des données. Donc il y a des scénarios de risque, parce que quand le risque, maintenant il un seul acteur, dit, la dimension n'est pas aussi importante qu'un scénario qui va toucher une large population. Mm -hmm. Ou, donc tout le monde a les risques Quand côté le scope avec à donc les opérateurs les, les constructeurs euh, bien sûr donc le gouvernement aussi le les hommes ont des stratégies et des politiques nationales et sectorielles pour pouvoir mettre en place le donc de euh, ce qu'il faut mais techniquement parce mm -hmm. parce qu'avant techniquement il faut qu'il y ait des pratiques à développer euh, plutôt à, à disséminer par exemple security by design security testing ou dima nsofou ness yterou déploiement des applications à des phases critiques même pas pour les opérateurs télécom pour -hmm. les applications bancaires on est pressé par le délai on sera on en déploiement mm -hmm. avant que, euh, on fait euh, donc avant de faire la, le, donc le test de sécurité ou design généralement le, le, donc le concept de cybersécurité il n'a pas euh, l'attention qu'il qu mérite donc avec elle donc ça même ça même problème résilience donc ça il y a حد حد منزمكرو mais quand même voilà donc c'est un problème un petit peu de tout le monde Très bien c'est Mohamed ahna après la pause donc nous on rejoint là les normes في la cybersecurity Digi Club podcast Dirhayet Topnet very internet people Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 Le journal a marqué Digi Club on rencontre Simon Hamad Hamdi professeur de cyber sécurité cybersécurité fisucom Okay. il faut dire, si Mohamed s'était allé euh, bachar à la cybersécurité. Alors, euh, depuis tout à l'heure, en fait, vous n'avez pas arrêté d'évoquer Hajj, un aspect très important, il me semble, qui est les normes de cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces normes Je nous les normes les plus utilisées, peut-être, Lyoum, Flahal Oui. Voilà. Donc, ça a trois catégories de documentation de cybersécurité les standards, les normes ou les guides de bonne pratique. Mm -hmm. euh, donc, les standards, on les généralement à l'échelle internationale. Généralement, donc, ça, euh, ça fait l'objet d'un consensus avec mm -hmm. ce un standard. Par contre, donc, une norme, il y a, mm -hmm. et elle est donc, à l'échelle nationale, typiquement. Elle est à l'échelle de plusieurs cyber espaces C'est sous-régional, régional. régional. Ça, on fait le guide de bonne pratique. On fait le guide de l'UIT

des acteurs nationaux, des acteurs même internationaux qui opèrent mm -hmm. dans le cyberespace. C'est qui Donc, de nous, de mettre, de mettre, on, on, on égalise un peu. les, donc les acteurs on, on. On même tout niveau, tout niveau, tout niveau de sécurité. but, standard. Par 5G, donc classique, qui nous fait une évaluation cyberespace, un standard. Le cadre NIST Cyber Security Framework. C'est mm -hmm. le, le cadre de cybersécurité de NIST. Il a, a en en 5. To, le, unique finiste, hooma, les instances fédérales américaines cool hum, elles sont obligées, de, par la loi, de faire une, une évaluation annuelle sur la base de NIST de leur infrastructure. Donc t a t un feedback par rapport euh, à l'utilisation c'est comme une espèce d'audit, c'est ça Voilà, c'est un audit mais il y a un référentiel d'audit tout là-haut donc l'ahem parce qu'on peut avoir des, on peut faire des audits mais ça touti tous dans toute la région le coll ils utilisent comme comme standard et comme norme il semble donc l'iso 27001 25 مثلا c'est on utilise bios mehadie pour la gestion des risques donc quand nous c'est c'est ce qui sonne dans donc في الدنيا برسم راس كي نسمعهم euh وnist donc c'est un, un standard il est fait pour justement homogénéiser l'assessment surtout le cyberespace américain. Il y a un niveau de maturité, il y a un au fur et à mesure des années. Donc, Finish, Cyber Security framework the ça a des composantes, il s'amuse. Il s'amuse Il y a euh, la capacité du cyberespace à identifier les assets Selfie et identifier les nouvelles menaces. Oui. c'est la capacité en matière du niveau de maturité. on a donc ça un tout un ensemble de, de sous-composantes et par rapport auxquelles on fait le assessment des institutions individuellement, on regroupe tout ça et on compile business matrix donc un, euh, un dashboard national par cybersécurité. Donc généralement c'est l'une des méthodologies, c'est peut-être la méthodologie la plus euh, la plus rationnelle l'étatique un état euh, de assessment un cyberespace, un magie à l'échelle nationale. Euh, mais ça, ça n'intègre pas les besoins spécifiques, les nouvelles tendances, les IOT, 5G, euh, il y a un, donc, tout ce qui est SCADA connecté. Mm. Donc tout ça, c'est des use cases, eu, au fur et à mesure, nombreux et possible et surtout facile à implémenter. Donc ça prendra de moins en moins de temps grâce justement à des technologies comme la 5G. Donc, avec toute euh, la capacité possible, la bande passante, ou le, surtout donc le, 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 le spectre qui pourrait être utilisé à différents endroits. Donc, si au cas là, ils vont permettre vraiment d'augmenter le nombre de transactions des cyberespace, mm -hmm. donc il y aura de plus en plus de transactions, ou, oui, donc, de plus en plus de business, bien sûr, donc avec l'avantage principal de la 5G, donc B2B, B2, B2C. Là, en plus, il y a le problème de comment protéger ces transactions là. Est-ce que si on applique, par euh, un standard qui manie Cyber Security Framework, mm -hmm. est-ce qu'il est directement applicable qui m'a mm -hmm. euh, use case 5G, Typiquement, la réponse est non. Donc directement, pas non totalement, mais il y a des endombrés il, 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 qui doivent être colmatés par d'autres standards. L'US le il y a des protocoles, des protocoles. Donc les protocoles, automatiquement, ils vont être implémentés par une certaine boîte de développement. Elles vont être intégrées au niveau d'un équipement. L'équipement avec est fabriqué par un constructeur. il va, être, il va entrer sur le cyberespace. on va l'installer. Donc, déjà, c'est combien de stakeholders? ou l'erreur peut naître n'importe quel dans la configuration peut qu'on soit développement ou peut dans le protocole lui-même qui comporte des failles le protocole en tant que document on peut y trouver des... des failles le standard le but c'est d'avoir une quality assurance en matière de sécurité par rapport à ces différentes phases du cycle de vie là, on va parler d'un cycle de vie et comment certifier déjà le cycle de vie donc ça m'a dit que la première couche d'homologation une deuxième couche, il y a le fait de certifier les outputs par tout le cycle de vie, si c'est un code, si c'est un hardware, ainsi, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la deuxième couche. Et la couche, vraiment la méta-couche, il y a comment certifier, ou bien comment homologuer, ou bien comment faire le, le, le quality assurance des organismes qui vont auditer cela. D'accord. Donc, c'est vraiment une méta-couche avec l'accréditation, ça met à des auditeurs, mm -hmm. donc tous de des, euh, des bodies qui vont auditer. Le, donc les, 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 les différentes phases du cycle de vie ça la partie où les hommes, on on s'assure que le cycle de vie fait, il est il est conforme aux, aux requirements de cybersécurité ou ça les outputs individuels les homme ils vont permettre de limiter le scope de ta coulfeille. Donc, il ça a une feuille. donc ça met un standard qui s'appelle Nessas, euh, qui a celui de la GSMA il me semble. Voilà, voilà, Donc, il a été adopté par la GSMA et les trois GPP il y a quelques années. Il y fit plus ou moins cette philosophie-là. D'accord. Donc, ça permet d'étendre la philosophie déjà adoptée. Il m'a déjà, cybersécurité fait sécurité classique. Donc, ça, ce sont des schémas. Il m'a a déjà fait le picayage, maintenant, thème accreditation body, thème certification body. Donc, c'est plus ou moins les mêmes. Euh, le même, la, la, la même philosophie pour assurer la quality assurance mais qui tient compte des spécificités de de la 5G avec les acteurs qui sont spécifiques à la 5G parce que malheureusement il faut les mêmes acteurs de 5G que dans une infrastructure de confiance qui le PKI que dans une infrastructure de d'un cyberespace euh, classique donc Finessas on trouve des moyens des euh, plutôt donc des, des référentiels nécessairement l'accréditation ceux qui vont auditer le déploiement d'un réseau euh, 5G mm -hmm. d'un use case 5G qu'est-ce une sous partie de qui va permettre de certifier le product development life cycle donc de, des produits euh, des, de, des différents produits qui ils vont euh, assurer le déploiement de 5G et aussi donc l'audit de chacun des outputs mais c'est une partie liée à penetration testing mm -hmm une fois que le code, soit hard soit soft, il est développé, ça a un penetration testing qui doit être fait pour s'assurer de la non existence de failles, les là qui le Dans le parti, dans output, Donc c'est le standard qui m'a chauffé. Il comporte lui-même plusieurs facettes. Les facettes, les On est obligé de faire un déploiement exhaustif de toutes les composantes du standard mm -hmm. parce que donc généralement les attaques disent mais le weakest point généralement on doit s'assurer d'avoir le même niveau de maturité donc le, 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 donc l'objectif c'est l'objectif même du standard et c'est l'objectif des sous composantes même du standard mais quand on implémente partiellement le standard dis on n'a pas vraiment euh, limité le risque résiduel donc l'objectif c'est donc ce n'est pas de, de réduire le risque à zéro mais de laisser

et dans Tunis, il y a une lacune dans la norme qui est en train de se C'est pointé même par le Global Cyber Security Index. Et si on va faire prochainement un projet de référentiel général de sécurité. Mais le secret est que nous allons mettre en des standards qui sont en parce que ça va permettre d'intégrer les use cases lorsque la 5G sera là. Ça va permettre de, de les intégrer dès maintenant. Je crois que nous, sur le 5G, on, on, on anticipe un peu par rapport à des sujets qui ont la 5G, qui ont l'intelligence artificielle. Il faut que les le cyberespace, euh, il faut les prendre en compte dès maintenant dans l'aspect stratégique, dans l'aspect tactique, dans les choix qui sont très importants pour qu'on assure l'amélioration graduelle par la maturité du cyberespace tunisien. Très bien, mais j'ai une, une autre petite question aussi, c'est Mohamed, est-ce que euh, l'adoption, si je peux me permettre, d'une norme, en particulier, a des répercussions à la, à la, à la, à la euh, le, le, je, je dis n'importe quoi, hein, euh, à la, à la, je suis un constructeur, voilà, une entreprise qui fournit des équipements, voilà, haja, euh, où j'ai adopté une norme X. Au JIT, en Afitounos, par exemple, je vais adopter la norme A. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur d'éventuelles transactions entre les deux? Là, typiquement, là, où, euh, les normes, là, ça m'a des technique. techniques. Mm. Ça m'a des normes plus euh, le but de garantir la souveraineté. Mais a le le, le cyberespace américain, oui. ça m'a une interdiction d'exporter des équipements, une taille de clé, une taille bien déterminée. D'accord. Pour ne pas prémunir d'autres cyberespace, mm -hmm. il y a aussi le problème d'intégrer des outils qui ne sont pas sécurisés sur le cyberespace. Mm -hmm. Donc, donc, le rôle de la norme ou bien de, euh, le, de, euh, du standard, donc le rôle ou euh, le fait d'assurer une homogénéité. Donc, ça ne crée pas de problème. Like, on va parler, parler d'un type de, 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 de protocole bien déterminé ou bien d'un type d'algorithme. Mm -hmm. Dimanche, l'objectif, c'est d'avoir un, un niveau d'assurance. Et de, surtout de s'émunir des moyens de comment vérifier le quality assurance. Mm -hmm. Ça apprend une exigence et on n'a pas les capacités de la vérifier. D'accord. Donc, il faut. On a des plateformes d'homologation. Oui. Moi, je dis, surtout pour la sécurité, oui. ça, donc, ça garantit une certaine, euh, une certaine autonomie et une certaine protection disons, du cyberespace par rapport aux équipements. Et ça garantit un, un, une certaine limitation du risque. Donc, mm -hmm. c'est mieux que laisser le cyberespace totalement euh, ouvert. Et donc, ça, c'est kiff-kiff. Par rapport à la 5G, là, on va déployer pas uniquement donc le, ce que l'opérateur déploie parce que dans la 5G il y a aussi l'IoT mm -hmm. donc il y aura d'autres opérateurs donc c'est pas des opérateurs de télécoms mais des opérateurs qui vont implanter des smart cities des smart oui. centers euh, qui vont implanter euh, ou implémenter des voitures électriques et ça donc ça vient au edge du réseau mm -hmm. euh, mais c'est pas cloisonné par rapport au réseau donc ça va faire partie du réseau mais sur un edge donc il y a des acteurs en plus qui vont devenir des parties prenantes du réseau. D'accord. Donc c'est pas des clients et euh, donc c'est pas les philosophies classiques de client serveur. Mm -hmm. Le un réseau. Les filles, des parties prenantes les coulissent ensemble les ressources. D'accord. Donc le risque c'est plus encore une fois. À la fois, les parties prenantes elles sont déjà sur 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 les réseaux. Donc une, une faille l'un des équipements il va créer des dégâts qui sont énormes. Avec à l'aide donc l'enjeu ou de sélectionner les bonnes normes. Donc, on n'est pas obligé d'être exclusif par rapport à une norme. Mm -hmm. l'objectif, c'est d'assurer un certain niveau de maturité. Donc, fait les choix, les homogènes, parce que parfois, les choix ne sont pas homogènes. Maintenant, on fait un choix euh, au niveau d'une section A, un choix au niveau de section B, et on trouve un conflit entre les deux choix. Donc, euh, donc ça touche même la crédibilité par la norme nationale, mm -hmm. ou bien le référentiel national. Et aussi, donc on se prémunit des moyens techniques et humains mon le contrôle nécessaire pour assurer la faisabilité dans, les, dans les, le contrôle des standards. Ça se par rapport aux standards qu'on a, qu a choisis. Très bien. Mais sinon, est-ce que vous pensez que on pourrait développer justement notre propre référentiel qui m'a fait médical C'est un stage, donc une étape par laquelle on doit passer. Il y a le choix des standards adoptés. Donc, avant de développer nos propres standards, ce qui n'est pas impossible, mais il, il faut passer par une étape tactique, c'est-à-dire les choix des standards qui vont garantir la, 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 la concrétisation de, du, du niveau de quality assurance ou des niveaux de quality assurance nous donc ça, c'est la phase euh, impérative. L'OSR a dedans. Il y a une phase de, déjà de définition des exigences, des, mm -hmm. des, des requirements. Il y a mal national. Donc il n'y a pas des requirements clairs, sectoriellement aujourd'hui, mais qu'à l'essai national, il n'y a pas une catégorisation des applications. Donc déjà, est il des euh, donc c'est un autre référentiel, c'est le référentiel général d'interopérabilité. Mm -hmm. Donc avec un intermésure aujourd'hui, on va continuer la situation. Je des îlots. Et les îlots homogène en matière de maturité de, de, de cybersécurité. Oui, c'est un risque pour le cyberespace. L'une de, de ce qui est mandatory pour un cyberespace, c'est qu'on nous laisse nous, une certaine homogénéité du niveau de maturité par rapport à toutes les composantes verticales, et horizontales, par rapport au secteur. Et par rapport aussi aux stakeholders, par rapport aux parties prenantes. Donc, avec Alès, donc, la situation dite, elle, elle, elle comporte des, des risques. au donc c'est parmi les sentiers les plus urgents, donc les référentiels, justement, qui vont permettre d'homogénéiser le niveau de maturité et qui vont permettre de créer une certaine synergie entre les key euh, stakeholders. Très bien. Un dernier message, c'est Mohamed voilà, euh, Merci tout d'abord pour l'invitation. Right, merci à vous. Au Habib donc, qui a l'interview. Abdou Taha Hamal, c'était donc lui aussi, c'est inédit vous dites. Lui donc, euh, parmi les premiers, c'est le premier en fait, professeur tunisien en cybersécurité. Donc elle a commencé 25 ans tel il travaille voilà. Donc il vient de nous quitter ou saigner. Voilà donc un message positif. Lui oua, pour retorcer un peu la tendance. Il faut donc savoir exp, donc exploiter le potentiel intérieur de Tunis a les, les compétences. Donc, on a, mmh. on a un réservoir de compétences qui est reconnu quantitativement et qualitativement oui. à l'échelle nationale, ou, mais malheureusement qui n'est pas exploité. Donc, il faut il faut trouver le, le moyen, bien sûr. Donc, nous c'est même les causes. On ne sait pas mal à Les personnes, euh, donc les individus et les groupes qui sont très actifs, puis, puis, je suis dans des clubs de cybersécurité et des compétitions de renommée de très haute renommée on ne les trouve pas en bas de l'écosystème tunisien. Mm -hmm. très rarement. Euh, pas parmi, donc pas uniquement les structures, ou les instances, euh, euh, donc publiques, mm -hmm. bah, 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 par rapport à tous les stakeholders, on a fait, opérateur, fait les opérateurs, les fait les associations, on trouve très peu parmi les compétences normales. elles sont très peu impliquées. donc ça, c'est un point d'interrogation la clôture, on trouvera une réponse. Ça sera donc le temps où on peut parler d'un redressement par rapport à la situation de la cybersécurité en Tunisie. On l'espère. Merci beaucoup, c'est Mohamed. On espère vous revoir par ténachal. DigiClub Podcast. Topnet Very Internet People. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.